Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening qui est sur Nintendo Switch. Hein. Et c'est un jeu qui est paru originalement en 1993 sur Game Boy et ici on le doit à son remake. Donc un jeu qu'on peut se procurer sur le eShop et en copie physique à partir du 20 septembre 2019. Donc, en fait, ici, l'histoire, quand même, demeure la même qu'à l'époque avec Link qui s'est échoué sur la plage de Kokolint, qui est une île mystérieuse avec des habitants étranges et assez colorés. Et pour partir de l'île, mais Link doit obtenir absolument des instruments de musique qui sont magiques et dispersés à travers l'île pour réveiller le poisson rêve. Donc, tout au long de l'aventure, on découvre de nombreux nouveaux personnages, puisqu'il n'y a ici aucune interaction avec Zelda, Ganon et la Triforce. Donc, la différence la plus marquante est évidemment ses graphismes hein, qui sont mis au goût du jour avec sa musique orchestrale reprenant les thèmes originaux. On retrouve un petit côté enfantin aussi dans l'aspect des personnages et dans l'environnement. Les décors sont magnifiques avec de jolis effets de lumière et une minutie vraiment dans les animations. On redécouvre carrément ce jeu pour ses lieux colorés et charmants dans un univers vu du dessus, mais en 3D isométrique. Contrairement à l'époque où chaque endroit visité correspondait à une case sur la carte avec un petit temps de transition entre chacune d'elles, cette fois-ci, l'exploration se fait en 100 temps de chargement entre les régions de la carte. Je trouve que ça accélère grandement la progression avec un sentiment qu'on arrive à notre destination en quelques instants. Cependant, par contre, il y a un flou autour de l'écran lorsqu'on est à l'extérieur et ça m'a un petit peu dérangé. C'est peut-être causé par une limitation technique ou c'est peut-être simplement esthétique. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais je trouvais ça un petit peu désagréable. Si on le compare aux autres jeux de la saga, la carte du jeu en tant que telle est quand même assez petite. Par contre, la jouabilité mise beaucoup sur l'exploration, puisqu'on y découvre fréquemment des secrets. Et il est important vraiment de regarder dans les moindres recoins, parce que chaque petite fleur, chaque petit arbuste peut cacher justement un objet important. Le fait qu'on ne nous prend pas non plus par la main pour nous guider augmente aussi l'intérêt pour les joueurs qui recherchent un certain défi, mais aussi on retrouve quand même ici et là certains éléments qui peuvent simplifier l'expérience, si on les utilise évidemment, comme la possibilité de positionner des icônes sur la carte pour se rappeler des lieux où on doit revenir. Cependant, je trouve qu'il est important de mentionner que le mode héroïque est disponible dès le départ, donc ça offre un challenge plus corsé alors qu'on subit le double des dommages. Dû à la limitation des boutons disponibles sur la Game Boy, le menu et l'utilisation des objets n'étaient pas vraiment optimales à l'époque. Cependant, cette problématique est chose du passé puisqu'on peut dorénavant les attribuer aux boutons X et Y et on permet aussi de garder hein, les boutons A pour l'attaque et le bouton B pour soulever différents objets et accessoires qu'on peut trouver durant notre quête. La véritable nouveauté se passe lorsqu'on rencontre Igor dans sa cabane. C'est un personnage proposant dans une quête secondaire de concevoir ses propres donjons à partir de salles qu'on a déjà visitées dans les donjons de la quête principale. On va pouvoir accéder à un plus grand inventaire de salles plus on progresse dans l'aventure. On les dispose sur un damier et on doit les faire correspondre ensemble. On en retrouve de toutes sortes. On a comme des salles qui ont plusieurs portes, d'autres qui ont des coffres, d'autres aussi qui ont des accès avec des portes verrouillées, attelées et évidemment des salles avec des boss. Les salles qu'on découvre dans les donjons de la quête principale seront ensuite disponibles pour nos créations. Et de plus, si on utilise un amiibo Link, peu importe son modèle, mais on peut ajouter un Link noir qui nous poursuit dans les donjons et apporte ici quand même une difficulté supplémentaire et je dirais oui, assez stressante. Cependant, ce n'est pas un équivalent à Super Mario Maker, hein, ce mode donjon-là, parce qu'on peut seulement utiliser des salles prédéfinies sans en modifier son contenu. Et j'ai malgré tout bien aimé ce mode, j'y ai passé beaucoup de temps à compléter les différents défis. Petite note à propos de la performance, j'ai remarqué à de nombreuses occasions de légers ralentissements. Il n'y a rien de dramatique, ça ne brise pas non plus le rythme, mais le jeu a de la difficulté à garder une fluidité constante.
Même si on connaît l'histoire du jeu The Legend of Zelda Link's Awakening dans sa forme d'origine, c'est toujours un réel plaisir à le traverser à nouveau. Et si vous en êtes à votre première expérience, alors découvrez sans hésitation l'île de Cocolint. Grâce à sa beauté, son scénario solide et ses donjons bien construits, on ne voit pas le temps passer à résoudre les énigmes, même les plus coriaces. C'est pour cette raison que je vais lui donner une note de 9 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Est-ce que vous aimez justement les nouvelles refontes de jeux comme celui-ci, The Legend of Zelda Link's Awakening, qui est apparu évidemment à la base sur Game Boy et maintenant disponible sur Nintendo Switch. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!